Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Bonjour Jean-Claude Durousseau, barre de l'économie pour une bulle santé. On est ensemble pour une demi-heure. On va parler d'hypertension artérielle aujourd'hui et on va en parler avec le docteur Stéphane Tabet. Vous êtes cardiologue à Enghien. Et puis avec moi aussi, j'ai Jean-Jacques Gauthier, président du festival Ozen, hypertension artérielle et Zen Attitude, c'est le programme de cette émission. Alors, HTA, c'est l'acronyme pour hypertension artérielle. Pourquoi on l'appelle le silent killer ? Alors oui, parce que en fait, on se rend compte que c'est un facteur de risque et une maladie en soi d'ailleurs, très sournoise, étant donné que... peu symptomatique en fait, on ressent très peu de choses. L'idée reçue, c'est de croire que quand on aura une poussée de tension, on va ressentir nécessairement des bourdonnements d'oreilles, des serrements, des choses comme ça, alors qu'il n'en est rien. 9 fois sur 10, c'est strictement asymptomatique, on ne ressent strictement rien. Seulement les formes extrêmement graves et évoluées peuvent en effet s'accompagner de symptômes, mais la plupart du temps, on ne ressent rien du tout. Donc, à part le fait de la contrôler de temps en temps, il n'y a pas d'autre moyen de savoir si l'on souffre ou pas d'hypertension artérielle. Même si on est extrêmement attentif, il n'y a pas un ou deux petits trucs qui peuvent éveiller notre attention ? Ben, en fait, pas forcément. C'est vrai que d'ailleurs, on a souvent en consultation des gens qui viennent avec des petits symptômes et paradoxalement, c'est pas forcément les plus symptomatiques qui sont les plus atteints. C'est ça le paradoxe. D'ailleurs, autant il faut essayer parfois de rassurer et certains patients et leur dire que même s'ils font des pics de tension, ce n'est pas forcément une véritable hypertension et qu'il n'y a pas nécessairement besoin de traitement, notamment médicamenteux. Autant d'autres qui sont asymptomatiques et se doutent de rien seront probablement ceux pour lesquels il faudra être un peu plus agressif en fait. Alors justement, pic de tension et hypertension artérielle, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle ? Alors Définition. Oui, alors en effet, c'est l'hypertension artérielle. En fait, nous avons des artères qui ont une paroi plus ou moins rigide. Et en fait, l'hypertension artérielle, c'est le reflet de cette rigidité. Et alors pourquoi deux chiffres d'ailleurs ? Ben, en fait, imaginons un tuyau, une artère. Si ces tuyaux étaient branchés sur une pompe continue, on aurait une seule pression qui s'exercerait. Alors que non, ces artères sont branchées sur une pompe un peu particulière, le cœur, qui des fois est contracté. Donc c'est ce qu'on va appeler alors la pression systolique, quand le cœur est en systole. Et parfois, le cœur est décontracté en diastole. Et là, ça va être la pression diastolique. Alors pendant un bon moment, on pensait que c'était la systolique était plus importante que l'autre. À un moment, on pensait que c'était plutôt la diastolique. Finalement, maintenant, et ça fait au moins une bonne dizaine d'années, qu'on se rend compte que les deux mesures sont particulièrement importantes. Alors, si j'ai bien compris, hein, le cœur, il fait pompa, pompa, hein, comme ça. Et en fait, un battement complet cardiaque, c'est une contraction et une décontraction. Contraction, on envoie beaucoup de sang. Une forte pression de sang dans les artères, c'est le chiffre O, hein, de la pression artérielle. Décontraction, diastole, il y en a un peu moins. Et là, c'est le chiffre bas, hein, c'est ça ? C'est exactement ça, tout exactement à fait. Exactement ça. Voilà, je vais passer mon diplôme de cardiologue. Hein, c'est bon, c'est bon, Jean-Jacques, vous avez mieux compris avec moi qu'avec Eric. Je ne sais pas, mais oui, j'avais quelques notions là, antérieurement. Alors, redevenons sérieux. Les bons chiffres, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, la bonne moyenne, c'est, il faut retenir que c'est 135 mm de mercure pour la tension systolique quand le cœur est contracté. Donc 13 ? 13, 13,5, ce qu'on, oui. Et 85 mm de mercure, soit 8,5 en diastolique. Alors donc souvent, quand on a 13,8, on dit qu'on est bien. C'est ça. 13,8. Exactement. Alors d'ailleurs... Avant, on ne disait pas 14, non ? Alors, on peut tolérer jusqu'à 14,9 au cabinet, parce qu'il y a toujours ce petit effet, cette petite appréhension, ce petit stress en consultation. L'effet blouse blanche. Hein. C'est ça, qui fait qu'on est, on est moins sévère en consultation et on peut tolérer jusqu'à 14,9. Mais souvent, on observe en effet des gros pics de tension qui peuvent atteindre 15, 16, 18, 20 tensions. C'est particulièrement impressionnant
Et souvent, les patients sont un petit peu perdus, ils ne savent pas quoi faire. Il faut les rassurer, leur dire que ce n'est pas parce qu'on fait des pics de tension que c'est forcément une véritable hypertension. Il y a certaines personnes dont les chiffres sont particulièrement fluctuants, hein, ça ne cesse de changer. Et il suffira d'un stress, d'une contrariété, d'une douleur. C'est vrai que ces temps-ci, il y a de quoi être stressé dès qu'on allume son poste de radio ou de télévision, ou un effort, tout ça peut entraîner des pics. Et donc, pour être bien sûr qu'on fait de l'hypertension, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la tension plusieurs fois au long cours et puis on va faire une moyenne? Comment on va faire en fait? Voilà, c'est exactement ça. En fait, il s'agit de surveiller sa tension à des instants neutres. Alors souvent, on conseille le matin au réveil, le soir au coucher, et on répète les mesures. Vous verrez d'ailleurs qu'il suffit de prendre trois mesures à la suite pour que les trois mesures changent souvent. Souvent, la première est plus haute que les autres. Donc, en effet, on recommande ce qu'on appelle la règle des trois, c'est-à-dire trois jours de suite. Et si possible, avant d'aller voir son professionnel de santé, que ce soit son médecin généraliste, son kiné même, son gynécologue pour les dames, c'est de surveiller sa tension, trois mesures à la suite le matin, trois mesures à la suite le soir, au coucher si possible, assis sur le bord du lit ou allongé dans le lit. Trois jours de suite, au total, on peut faire une moyenne de ces 18 mesures, et cette moyenne est bien plus fiable qu'une mesure isolée prise au cabinet. Donc, on va chez son pharmacien, on achète un tensiomètre automatique, hein, c'est très simple d'utilisation, il suffit d'appuyer sur Start, et puis ça se passe, et puis de lire le résultat, et on fait ça, on a son petit carnet, on fait sa moyenne, et après on sait où on en est. Exactement. Hein, c'est ça. Et ça, on peut conseiller de le faire à partir de quel âge, finalement? Alors, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de symptômes, hein, ça c'est important à rappeler, il n'y a pas de symptômes. Donc à partir de quel âge on commence à se préoccuper de sa tension? Alors c'est vrai que difficile de donner un âge fixe, mais il est clair que plus on avance en âge, plus on est à risque de développer de l'hypertension. Quand on commence à aborder la cinquantaine, il faut être méfiant. Mais cela dit, il y a certaines personnes qui peuvent hériter d'une prédisposition génétique dans la famille. Si on a des parents hypertendus, il faudra peut-être commencer à jeter un œil un peu plus tôt. Ou si on cumule d'autres facteurs de risque, d'ailleurs, parce qu'on sait que si on fume, si on est plutôt sédentaire, si on souffre de surpoids, on risque là aussi de développer plutôt de l'hypertension, donc il faudra peut-être vérifier ça avant la cinquantaine. L'hérédité, c'est quelque chose d'important, hein. Donc quand on a soi-même de l'hypertension, il ne faut pas hésiter à en parler à nos enfants, hein, parce qu'ils vont en hériter quelque part. C'est ça. Ça, c'est le risque. Ils ont des grandes chances d'en hériter. Oui. Tout à fait. Bien fait pour eux. Hein. Mais on peut les rassurer pour autant et leur dire que c'est pas forcément. Il y a des héritages plus pires que cela. Plus difficiles. Non, c'est le danger, c'est de passer à côté justement et de se réveiller un peu sur le tard. Hypertension et grossesse. C'est un moment particulier, la grossesse, où il faut faire attention à l'hypertension. Ah oui. Pourquoi? Comment ça se passe? Alors tout à fait, c'est vrai que normalement, pendant la grossesse, on est même censé avoir une tension moyenne un tout petit peu plus basse que d'habitude. Quand on développe de l'hypertension, alors là, ça peut être néfaste à la fois pour la maman et pour le bébé. C'est souvent un problème au niveau de la vascularisation de l'utérus, et donc avec des risques pour l'accouchement. C'est important à démasquer. C'est vrai que les gynécologues obstétriciens surveillent ça de très très près, et ne pas hésiter à traiter. Alors, en ayant en plus le problème du traitement qui va poser problème, étant donné qu'on ne pourra pas donner n'importe quel traitement à la femme enceinte. La question qu'on peut se poser, on se dit, bon, l'hypertension, il n'y a pas de symptômes, ça ne nous fait pas souffrir. Finalement, pourquoi s'en préoccuper, hein? Alors oui, je vous remercie de cette question qui est... On a souvent ce problème, c'est que de motiver les gens à la fois à se dépister et puis derrière,
quand on sait qu'ils sont hyper tendus à se traiter, parce que en effet c'est extrêmement parfois difficile de motiver les gens à se surveiller, à se traiter, alors qu'ils se plaignent de rien. Souvent c'est bon, pourquoi vous voulez que je prenne un cachet vu que tout va pour le mieux. Alors on leur explique d'ailleurs que ce n'est pas qu'une histoire de cachet. Certes les traitements sont là pour, mais c'est aussi modifier son hygiène de vie, et notamment faire du sport, savoir se relaxer justement. Se détendre, c'est primordial. Avoir une activité régulière. Tout à fait. Surtout voilà, en ce moment, c'est problématique. J'ai entendu souvent que des hommes hésitaient à prendre leur traitement contre l'hypertension parce qu'on leur disait que ça avait des retentissements sur leur vie sexuelle. Alors, c'est un frein, ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces hommes-là ? Alors, c'est vrai que certaines molécules peuvent présenter ce problème. Mais heureusement, on a 5 grandes familles d'antihypertenseurs. Chaque famille a ses caractéristiques, ses avantages, parfois ses inconvénients. Et il faut reconnaître qu'une des classes, les bêta-bloquants, c'est une classe très utilisée parce que beaucoup de vertus, à la fois contre l'hypertension, mais aussi contre l'angine de poitrine, contre les crises de migraine aussi, les neurologues l'utilisent beaucoup, mais comme inconvénient, peuvent parfois avoir, heureusement c'est pas systématique, entraîner une petite baisse de la libido. Donc, la libido ou de l'érection ? Un peu des deux, parfois, justement. Donc c'est vrai que ça peut poser problème. En fait, on va essayer d'adapter le traitement en fonction du profil. C'est vrai que un homme, on va peut-être éviter de lui proposer des bêta-bloquants de première intention, c'est vrai. Voilà, donc il faut rassurer tout le monde. Hein. Ouais. Il y a un panel de molécules. Ah oui. Et dans ce panel de molécules, il y a toujours une solution, et une solution qui va être bonne pour le patient et sans effet secondaire gênant. Voilà, tout à fait. On va vraiment personnaliser le traitement. Bon, mais alors, cette hypertension, pourquoi il faut s'en préoccuper ? Qu'est-ce qu'on risque finalement si on ne fait rien ? Alors oui, c'est vrai que maladies très sournoises qui peut vraiment avoir de gros impacts en fait un peu sur tout l'organisme, alors sur les certains organes plus que d'autres. Alors le cerveau, bien sûr, on redoute tous l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'est vrai qu'on observe une franche augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Pourquoi hypertension et AVC ? C'est quoi le phénomène ? Parce qu'en fait, on a une micro-circulation dans le cerveau qui est à protéger. Une hypertension artérielle, ce sont ces micro-artères, vont être plus rigides et risquer plus facilement soit de se boucher, soit de se rompre. Donc risque à la fois d'ischémie, hein, d'un infarctus du cerveau ou d'hémorragie cérébrale. D'où l'importance de faire baisser la tension. Mais aussi... L'hémorragie cérébrale, c'est un vaisseau qui pète. Hein. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà, hémorragie cérébrale, ischémique, bouchée, c'est un des petits caillots d'athérosclérose, hein, qui est formé par l'athérosclérose, qui s'échappe à un moment sous le flux justement hypertendu et qui va aller boucher une des artères. C'est comme ça que ça fonctionne ? Alors ça peut fonctionner comme ça, en effet. Parfois ça peut aussi fonctionner localement par le vaisseau qui va lui-même être le siège d'un caillotage sur place, hein, un peu plus en aval. Les deux mécanismes peuvent avoir lieu. Mm-hmm. Et puis parfois c'est en effet le petit capillaire qui va exploser en fait dans le cerveau. Donc hypertension, risque d'AVC, mais c'est pas les seuls risques. Non, et là en plus, ça peut aussi entraîner un retentissement sur le cœur. Alors à la fois sur les coronaires, ces fameuses artères très précieuses qui apportent du sang oxygéné au cœur, donc ce sont elles qui, quand elles se bouchent, entraînent le fameux infarctus du myocarde, donc risque accru d'angine de poitrine, le stade juste avant l'infarctus ou l'infarctus en soi, mais aussi un impact sur le muscle cardiaque lui-même qui peut, à force de se contracter, de lutter contre ces artères, il va fatiguer, voilà. Et ça, c'est l'insuffisance ? L'insuffisance cardiaque, le cœur va se dilater et avoir du mal à se contracter. La pompe va devenir fatiguée. Donc en fait, comme il est dilaté mais qu'il se contracte moins, l'amplitude
est faible et il n'envoie pas beaucoup de sang. C'est ça. Exactement. Et comme il n'envoie pas beaucoup de sang, bah, il bat plus vite et il se fatigue et tout ça, c'est inutile. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu comme ça, en effet. C'est comme une pompe qui tournerait à vide. Au début, d'ailleurs, du développement, on peut observer au début une hypertrophie du cœur. Les parois vont s'épaissir comme si le muscle se... le cœur se musclait un petit peu trop, mais c'est pas forcément quelque chose de bénéfique parce que ça témoigne du fait que le cœur va se fatiguer et là après la pompe en fait c'est comme une pompe qui a du mal à faire circuler le sang et on risque d'avoir bah, toutes les conséquences, essoufflement au moindre effort notamment au fil du temps. Stéphane Tabet, l'hypertension, une fois prise en charge, ça se traite bien ? Alors oui, tout à fait. C'est ça qui nous motive à dépister et à traiter, c'est qu'on se rend compte, et ça c'est clairement démontré depuis maintenant des années, qu'une hypertension bien prise en charge diminue ses sur-risques. Moins d'AVC, moins d'infarctus, moins de développement d'une insuffisance rénale, parce que ça peut atteindre aussi les reins, toutes les artères de l'organisme en fait. Hein. Et plus on prend tôt cette maladie, et mieux ce sera. Alors, plus on la prend tôt, on va prendre ces petites pilules tous les jours, mais pas que. Non, on va essayer d'adopter une attitude zen, pas stressante, une vie cool, sympa. Idéal, hein, Jean-Jacques Gauthier, c'est ce qu'on va faire. Idéal, oui, c'est un peu dur. Parce vous envoyez des hyper tendus chez vous? Oui, je pense que... Alors, on en voit, oui, malheureusement, on en voit certains. Est-ce qu'on vous envoie des gens hyper tendus pour se déstresser? Alors, on en voit beaucoup maintenant qui viennent quand même en amont et qui viennent se déstresser, quoi, qui sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Je crois que la période, depuis un an, plus d'un an maintenant, nous a montré qu'il fallait décompresser de temps en temps, quoi. Et que le fait de confiner les gens, de les restreindre au télétravail, de leur limiter les interactions, pose beaucoup de problèmes. Donc il faut leur proposer des solutions alternatives, à la fois deux types de solutions, des solutions comme on parlait M. Tabet, de dire faut pas sombrer dans l'inactivité, c'est-à-dire faut pas sombrer, dire je me détends et je reste dans mon fauteuil, puisque ça va être vraiment néfaste, je pense que au niveau de l'hypertension, c'est pas bon du tout de rester sans rien faire, donc il faut quand même garder une activité, et puis d'autre part il faut éviter de faire monter la pression parce que, effectivement, tout le temps ruminer des idées négatives ou des choses néfastes vont faire en sorte que sur le plan global de la santé, alors sur l'hypertension oui, mais sur plein d'autres domaines, l'arrivée de certaines autres pathologies, l'arrivée d'autres problèmes psychologiques comme le burn-out, comme des choses comme ça, vont faire qu'on essaye d'expliquer aux gens de faire des méthodes. Alors les méthodes de zen attitude, on va dire, elles sont nombreuses. Hein. On va en parler des méthodes de zen attitude, mais je voudrais quand même revenir à Stéphane Tabet. L'hygiène de vie, tout ce que vient de décrire Jean-Jacques, l'activité physique et puis tout ce qui est relaxation, stress, on va en parler, c'est important, mais malgré tout, c'est pas miraculeux. Quand on a de l'hypertension, il faut la traiter. Non, tout à fait. Alors après, il y a plusieurs niveaux de sévérité de cette hypertension. Il est clair que quand on est devant, vraiment limite avec une moyenne qui dépasse à peine les 13,5, 8,5 dont on parlait tout à l'heure, on va dans un premier temps privilégier les règles d'hygiène de vie justement, avec reprise du sport, manger moins salé, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais... L'hygiène alimentaire, voilà, l'hygiène alimentaire, c'est fondamental. Arrêter le tabac. Et il y a beaucoup, arrêter le tabac en effet, reprise du sport, et ce n'est que... L'alcool si, aussi Pardon ? L'alcool ? L'alcool, oui, tout à fait. C'est vrai que l'alcool joue. Souvent, les gens pensent que l'alcool joue sur le risque d'infarctus directement. Non, c'est indirectement par l'hypertension, justement. Mais... Donc, quand on est limite, et en prévention, et quand on est limite, on peut se dire, bon, allez, on va adopter une bonne hygiène de vie, et ça va passer, on ne va pas prendre de médicaments. Mais à partir d'une certaine hypertension, de toute manière... Il faut passer aux médicaments. Mais par contre, quand on est aux médicaments, on peut justement et on doit tout à fait. Ajouter à cela, au traitement médicamenteux, une hygiène de vie.
Oui, moi je pense qu'à côté du médicament, il y a plein de choses à faire, quoi. Alors je crois que le docteur Tavel disait, la nutrition, je pense qu'il faut, voilà, il faut motiver les gens pour qu'ils se nourrissent correctement, quoi. J'en profite pour rappeler le thème des prochains entretiens médicaux d'Anguin, alimentation et santé. Je pense que vous y serez. Je pense tous. Que là, ça sera indispensable que, voilà, venir nombreux, parce que voilà, il y a trois grandes choses en fait. Hein. Moi, je dis toujours à mes patients, je leur dis, il y a l'alimentation, il y a effectivement l'activité. Et puis après, bah, c'est traiter tous les petits problèmes qu'on a, quoi, de ne pas faire la politique de l'autruche et dire bah, je verrai ça plus tard. Parce que très souvent sur l'hypertension, c'est un peu ça, bah, je suis un peu hypertendu, mais c'est pas grave. Bah, non, si, c'est grave, parce que c'est pas grave là aujourd'hui, mais demain, ça va peut-être être grave. Et quand ils auront une hémiplégie et qu'ils seront à moitié paralysés. Et puis ça ne va pas s'arranger tout seul de toute manière. Ça ne va pas s'arranger tout seul. Donc c'est de les motiver et notre rôle, j'allais dire, d'accompagnant, c'est de les motiver pour leur dire bah, voilà, l'alimentation, l'activité. Et puis à côté, bah, si vous pouvez faire des activités, du yoga, de la sophrologie, de la relaxation, et de moins avoir une vie tout le temps sous tension, ça va être bénéfique, quoi. Et ça va peut-être même faire des fois, on va les renvoyer chez leur médecin en leur disant, bah, on peut peut-être diminuer le traitement, parce qu'en fait, là, ça s'améliore, quoi. Voilà, dans certains cas, ça s'améliore. Et je pense que des gens qui se prennent vraiment en charge, oui, on peut, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut arriver à des résultats un peu surprenants au départ, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, nous, ce qu'on leur propose, bah, je vous dis, à côté des activités bah, qui vont avoir au jour le jour, c'est par exemple, bah, nous on est sur Anguin, je leur dis, bah, vous pouvez faire comme moi tous les matins, hein, vous venez une demi-heure plus tôt au bureau, puis vous faites le tour du lac, hein, c'est tout simple. Hein. En plus, on a un décor bon, un peu paradisiaque, et bah, profitez-en, voilà, c'est tout simple. Ah oui, mais ça prend une demi-heure. Bah oui, ça prend une demi-heure, mais enfin, bon, quand c'est pour le bien-être et le futur. Une demi-heure, c'est en marchant ou en marchant, voilà, une demi-heure en marchant. Alors, on peut courir, mais on peut aussi très bien marcher, honnêtement, une demi-heure, on est à 3,2 km, hein, ça se fait très bien, voilà, une très bonne activité. Et puis après, prendre un peu de temps dans la journée pour soi uniquement. Alors c'est peut-être se poser, alors on va appeler ça de la méditation, de la relaxation, de la respiration, tout ce qu'on veut, mais c'est de prendre un temps pour, bah, on va arrêter l'activité du jour, l'activité continuelle, de s'occuper des voisins, de son épouse, de ses enfants, de son boulot, et puis on va dire voilà, pendant 3, 4 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, je me pose et je fais rien. Voilà. Alors moi, je préconise des fois à mes clients aussi, je leur dis, vous savez, la sieste, hein, celle de nos grands-parents, vous savez, qui ronflaient dans le canapé, là. Bah, des fois, 5-10 minutes de sieste, 5-10 minutes de pause après le repas, c'est salutaire, c'est tout simple. C'est tendance, hein. Alors, la sieste, hein, ça alors, revient à la mode. Alors, hein. C'est tendance, mais c'est très utile. Alors, la sieste d'une demi-heure, trois quarts d'heure, non, c'est pas bon, parce que quand on sombre dans le sommeil, c'est pas bon du tout. 10 minutes, mais, 15 minutes. Voilà, moi je leur dis entre 5 et 10 minutes. Et puis alors, au début, si vous voulez, bah, eh ben, on met un réveil, hein, tout simplement. On a tous nos téléphones, on a tous une alarme, donc on met l'alarme. Et puis après, on se programme, voilà, ça c'est déjà, on travaille un peu en relaxation, en sophro, on se programme pour 5 minutes, 10 minutes. Moi, j'ai dit à mes clients, bah, vous programmez, ah bah vous y arrivez. Oui, je ne suis pas arrivé du premier jour, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, si je sais, je me programme, j'ai 5 minutes devant moi, là, je peux vous me donner 5 minutes, je fais la sieste au comptoir, là, pendant 5 minutes, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Et ça, tout le monde est capable de le faire, et c'est tout simple. Cette notion de bulle aussi, est-ce que c'est ce moment où on essaie de travailler sa cohérence cardiaque? Est-ce que c'est ce moment où on essaie de faire un peu de sophro? Ou alors, est-ce que c'est tout aussi efficace si on ne fait rien, comme vous disiez? Alors, rien, faire, mais le petit plus au rien, c'est la respiration. C'est vraiment inspirer et souffler. Alors, je pense que... Mais pas n'importe comment. Le docteur Tavès sera d'accord. Souvent, on respire mal. Alors, souvent, on respire mal. Donc, il faut essayer de respirer complètement, costal et ventral. Bon, ça, on l'apprend dans toutes les techniques, le yoga, le qigong, tout ça, on vous apprend à respirer. Mais ne pas oublier de dire aux gens, tout à l'heure, je parlais de la nutrition, une des deuxièmes nutritions de l'organisme, c'est l'oxygène, quand même. Hein. Sans oxygène, on meurt. Et sans éjecter notre gaz carbonique, on meurt. Donc, la respiration, ça va ça. Ça va faire ça. Ça va amener de l'oxygène en plus. On va concentrer un peu plus l'oxygène et puis on va éjecter du gaz carbonique. Donc c'est nécessaire à la vie, quoi. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Un mot sur la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vais laisser M. Tavel peut-être... L'exercice de cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est quand même?
Alors, je crois que l'exercice de cohérence cardiaque, nous, c'est pas en forme. En fait, ce qu'on fait, on met les gens, bah, nous, on a un appareil pour les faire respirer, quoi, pour les faire respirer en respiration costale abdominale. Et dans les 3-4 minutes, ils vont se mettre, effectivement, dans un état de cohérence cardiaque et dans un état de conscience, à la limite, entre l'activité comme on a là, on est hyper conscient, là, je reçois vos questions. Si je dormais, je serais dans l'inverse, on va dire. Ben, on les met dans un état intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la conscience et dans l'activité comme on est là, réactive. On n'est pas dans le sommeil, c'est-à-dire s'il y a une chose qui tombe à côté, on va l'entendre. Mais on va être détaché de ces deux états, d'un état de veille et d'un état de sommeil. Au niveau physique, Stéphane Tabet, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? Oui, alors on va... Il nous reste une minute. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais en fait, on va adapter son rythme de respiration en fonction de sa fréquence cardiaque. Apparemment, il semble y avoir une sorte de corrélation optimale entre les deux, donc je crois qu'il y a des petites machines qui aident à donner l'indication, donc qui prend le pouls de la personne, et en fonction de ce pouls, ça va donner le rythme pour bien respirer et quand on atteint ce rythme optimal, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans cet état. J'avais entendu dire qu'on respire 6 fois par minute pendant 6 minutes, 3 fois par jour, l'exercice de cohérence cardiaque. Il y a une petite application que tous les gens vont pouvoir télécharger qui s'appelle RespireLax, où on vous donne effectivement, alors vous codez le temps, bah vous le faites 5 minutes et il y a une petite bulle qui monte qui vous permet d'inspirer. Quand la petite bulle descend, on souffle, tout simplement. Donc vous téléchargez RespireLax, j'ai pas de publicité, c'est gratuit, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est les termes d'Alvar qui ont lancé ça il y a une dizaine d'années. Il y a je ne sais combien de milliers de connexions et c'est très pratique pour se mettre en cohérence cardiaque. Et on peut le faire dans le métro, on peut le faire n'importe où, sur une banquette de salle d'attente, n'importe où. On met sa petite application. Alors l'avantage, c'est que c'est très visuel, donc ça nous aide à effectivement basculer dans cette respiration et cette cohérence cardiaque. Voilà, merci Jean-Jacques Gauthier. Je rappelle que vous êtes directeur d'Enforme à Enghien et que vous êtes le créateur du festival Ozen. Vous, Stéphane Tabet, vous êtes cardiologue à Enghien. Restez zen, hein, restez zen et surveillez bien votre tension. Ce tueur silencieux, c'est essentiel pour préparer ces vieux jours. Surveillez votre tension artérielle. Merci à tous les deux, à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup.